Donc l'idée, c'est de travailler l'ourlet du dessus et du dessous, en laissant cette zone-là vierge. Allez, on éjecte, donc on va chercher l'ourlet, l'ourlet, hop. Et on voit bien, ça y est, vous êtes un expert. Donc là, on va se mettre à peu près à ce niveau hein, pour faire l'arc de Cupidon. De là à là, on va éviter de mettre du produit trop latéral pour éviter qu'il y ait une éversion latérale de la lèvre, ce qui fait vraiment pas naturel. Hein. Donc en fait, l'idée, c'est de commencer à peu près à 2/3 de la lèvre pour trouver le canal. Hop, vous voyez, on y est là. On l'a vu, il s'est ouvert. Une fois qu'il s'est ouvert, on n'a qu'à le suivre. Là, le produit s'est déployé sur l'ourlet. Voilà, vous voyez, on a... Ici, il n'y a pas encore le produit. Vous voyez le côté très très marqué hein, de l'ourlet, très très bien dessiné, qui favorise le maquillage et qui donne des lèvres beaucoup plus dessinées. Alors on voit bien le produit qui a fusé hein, le long de l'ourlet. Là on va uniformiser. Donc l'idée c'est de travailler l'ourlet. Là, l'idée donc c'est de mettre un peu de volume donc sur la partie médiane ainsi que sur les zones paramédianes. Donc là on respecte cette zone là qui ne sera pas remplie et on va mettre du volume ici et ici. Allez, toc, je vous pique. Vous avez vu, vous avez senti quelque chose? Non. Donc ça c'est ici, enfin, je vais vous mettre de l'autre côté. Il est important de guider le produit entre le pouce et l'index afin d'éviter une diffusion trop large du produit. On va essayer de respecter donc les trois volumes de la lèvre supérieure qui est le volume médian et les deux volumes paramédians qui vont mourir dans la commissure. Donc on va injecter cette zone là, puis cette zone là en commençant d'abord par la jonction lèvre sèche, lèvre humide pour essayer de réaliser un point d'occlusion un petit peu plus antérieur.
Voilà. Donc là, on va faire les crêtes filtrales. Donc les crêtes filtrales, donc on les voit bien, hein, elles sont dessinées mais pas assez bien définies. Donc on les repère entre le pouce et l'index et on va injecter. Il faut vraiment serrer fort entre le pouce et l'index pour vraiment que le produit fuse entre les deux doigts. Et on le sent, hein, le produit entre les deux doigts. Hein. Il faut vraiment être très serré. Et donc là, on va reprendre ici. On injecte, le produit fuse et on le sent très très bien le produit. On sent le produit qui fuse et qui est dirigé entre les deux doigts. Nous allons traiter le code barre. Pour traiter le code barre, nous allons faire de l'injection intradermique avec le biseau de l'aiguille. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le biseau est d'aiguille vers le haut. Et donc nous allons nous mettre vraiment en intradermique. Il faut étirer la lèvre, se mettre dans le sens de l'aiguille. Et là aussi, pareil, nous allons injecter en protraçant. L'injection nous permet de faire progresser l'aiguille. Et vous voyez, nous avons bien rempli la zone. Il faut en mettre extrêmement peu, il ne faut pas du tout épaissir la lèvre. L'idée, c'est vraiment de remplir que la zone creuse. Vous voyez, avec le biseau vers le haut, on commence à injecter et en fait, c'est l'injection du produit qui va nous ouvrir la ride et on va suivre la ride avec l'injection du produit qui va nous aider à progresser dans la ride. Un tout petit peu plus. Là, vous voyez, il y a cet effet de blanchiment, hein, qui est visible. On va mettre un tout petit peu plus haut aussi.
donc ici identique. On voit bien que c'est l'injection qui permet de faire progresser l'aiguille. Hein. On est en protraçant là aussi, un petit peu comme au niveau du contour. Nous allons je vais renforcer un petit peu les zones de commissure labiale. Donc là, pour ceci, on va se mettre dans cette zone-ci. L'idée, pour ouvrir un petit peu la commissure, est d'injecter de manière assez superficielle. Pour renforcer, vous voyez, on a une ouverture naturelle de la commissure qui se crée. Nous allons injecter cette zone-ci de manière très superficielle. Pour l'ouvrir, vous voyez qu'elle est un petit peu vers le bas. Quand nous injectons la commissure pour la renforcer, vous voyez qu'elle s'ouvre et qu'elle va aller légèrement vers le haut.
Donc là, on va se mettre en intradermique. Et c'est vraiment la progression du produit qui va nous permettre d'ouvrir la ride. Voilà, en fait, on est tellement superficiel que le produit peut sortir par les glandes sébacées, qui sont assez nombreuses au niveau du menton. Un tout petit peu. Alors celui-ci, je vais peut-être le traiter comme ceci.